Bonjour. Vous venez pour quel poste? Je viens pour travailler. Oui, mais quel poste? Mais le poste de travail. Expliquez-moi comment vous avez obtenu le bac A et le bac ES la même année. Ah, c'est très simple parce que j'ai passé le bac S à l'étranger. Grâce au décalage horaire, j'ai pu venir en France et passer le bac ES dans la foulée. Rien d'extraordinaire. Est-ce que vous avez un emploi? Bah non. Si j'avais un emploi, je serais pas venu. C'est si j'avais un emploi. C'est ce que j'ai dit. Mais donc, si je comprends bien, vous étiez mineur en alternance, c'est pas légal. En fait, j'ai fait mon alternance à Shanghai. Et donc là-bas, en Chine, forcément, ils sont pas trop regardants sur... Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours? Ouais, si vous voulez. Hein. Ah, ça n'a pas été simple. Hein. J'ai fait le RERC, changement à Châtelet. C'est pas vous sur la CV, là? C'est pas vous sur la photo? Bah non. Mais alors, c'est pas votre CV? Bah si, c'est mon CV. C'est mon CV, c'est moi qui l'ai apporté. Vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi ce poste? Bah déjà je l'ai pas choisi, hein. C'est pas moi qui ai choisi, hein. C'est Pôle emploi. Non mais je veux dire c'est pas votre CV quoi, c'est pas... Vous m'avez dit d'apporter un CV, j'ai apporté un CV. Donc vous maîtrisez le chinois? Si, beaucoup. Vous avez un projet professionnel en ce moment? Oui. C'est rentrer, hein. Rentrer chez moi. Hein. Vous avez un emploi actuellement? Alors, je travaille un peu avec le ministère de l'Intérieur. C'est un autre ministère à côté. Vous êtes ministre? Oui, mais c'est un ministre occulte. On ne sait pas trop que ça existe. Donc, ça reste entre nous, parce que c'est... je peux avoir des problèmes, quoi. Donc, voilà. Vous avez quoi comme diplôme? Ah, j'ai plein. J'ai le RSA, les APL. Vous avez des perspectives professionnelles? Oui, j'en ai plein, moi. Et d'accord, lesquelles? Ça veut dire quoi ta perspective? Le ministère, ça me prend beaucoup de temps et j'ai envie de me consacrer un peu à ma vie de famille, quoi. C'est normal. Attendez, sur votre CV, il y a marqué célibataire et sans enfant. Ouais, j'ai envie de me consacrer à moi. Par quelle expérience dans la vente sur votre CV? Vous pouvez préciser? Effectivement, j'ai vendu pas mal de Vélib sur Le Bon Coin. Vous êtes sûr que vous en avez pas un peu trop mis sur votre CV? Non, j'en ai mis moins, justement. Les gens, quand je mets tout, ils ont tendance à croire que limite je suis un menteur, quoi. C'est fatigant. Il y a une pause là, à un moment donné ou pas? C'est-à-dire, oui, dans le travail, il y a une pause, hein? Non. Ça fait un moment qu'on parle. Je suis un peu fatigué. Pendant 2 ans, vous n'avez pas eu d'emploi? Vous avez fait quoi? En fait, j'ai voyagé, j'ai appris l'anglais. Vous êtes allé où? Flemingsberg.